Salut à tous, je suis Hu Laoshi. 大家好，我是胡老师. Aujourd'hui, nous allons découvrir 6 mots très utiles dans la vie quotidienne. Ces 6 mots-là sont formés par le même principe, qui est le hao, le mot hao plus un verbe, ça forme un adjectif. Vous êtes prêts? C'est parti. Le mot hao, qui signifie bien ou bon, peut combiner avec des verbes pour former un adjectif. Alors ces verbes, ce n'est pas n'importe quel verbe, ce sont des verbes qu'il y a à nos 5 sens ou bien des verbes pour exprimer les sentiments. Le premier mot c'est hao kan, hao kan. Donc kan c'est le verbe qui veut dire regarder ou bien voir. Donc hao plus le verbe kan, ça forme hao kan qui est un adjectif pour dire quelque chose qui est joli, qui est beau, agréable à regarder, à voir, d'accord? Exemple, si on veut dire une fleur qui est jolie, on dit hua heng hao kan. Hua heng hao kan, qui veut dire la fleur est très jolie. On peut aussi dire, si on a vu un film, on peut aussi dire dian ying hao kan. Dian ying hao kan, ça veut dire le film est agréable à regarder. Ça c'est le premier verbe. Le deuxième verbe combiné avec hao, c'est écouter, donc c'est ting, ting. Donc le mot c'est hao ting, hao ting. Hao ting, ça veut dire c'est agréable à écouter, c'est bon à écouter. Donc souvent pour décrire par exemple la musique, les chansons. Si on veut dire la chanson, la musique, si on veut dire la musique est agréable à écouter, on dit yin yue heng hao ting. Yin yue heng hao ting. Yin yue c'est la musique. Donc la musique est très agréable à écouter. Le troisième verbe c'est sentir avec le nez, hein? Sentir avec le nez, donc c'est wen et conforme avec hao, donc c'est hao wen, ça veut dire quelque chose qui sent bon, qui est agréable à sentir. Exemple, si on a un parfum, on veut dire le parfum, ça sent très bon, qui est agréable à sentir, on dit xiang shui heng hao wen. Xiang shui heng hao wen. Xiang shui c'est parfum. Le quatrième verbe c'est le verbe manger, donc c'est chu. Chu, quand ça combine avec hao, ça veut dire hao chu. Hao chu ça veut dire c'est délicieux, c'est bon à manger. Exemple, j'ai une pomme ici, si on veut dire la pomme est délicieuse, on dit ping guo heng hao chu. Ping guo heng hao chu. Hein? La pomme est délicieuse. Le cinquième verbe c'est boire, donc c'est he. Quand ça combine avec hao, ça forme un adjectif qui veut dire c'est délicieux, c'est bon à boire, donc c'est hao he. Hao he. Exemple, si on veut dire le thé est bon à boire, on dit cha heng hao he. Cha heng hao he. Le thé est très bon à boire. Cha, c'est du thé. Le sixième verbe, c'est le verbe jouer, amuser, donc c'est wan. Wan, c'est la deuxième donation. Hein? Donc, hao wan, ça veut dire amusant, drôle, intéressant. Exemple, si on veut dire Disneyland est amusant, on dit Disney le yuan, hao wan. Disney le yuan, hao wan. Hein? Ici, quand vous construisez des phrases, il faut faire attention, ce sont des adjectifs verbaux. On avait déjà cité dans les épisodes précédents. Donc, dans les phrases, on n'a pas besoin d'ajouter le verbe être qui est chu dedans. Hein? Donc, c'est directement sujet plus adjectif. En résumé, hao plus verbe, ça forme des adjectifs. Il y a les 6, donc c'est hao kan, hao kan, hao ting, hao wen, hao chi, hao he, hao wan, hao wan. Faites attention, la prononciation de wen et wan qui est assez proche. Voilà les 6 adjectifs qui sont formés par hao plus un verbe. Donc, ces 6 adjectifs qui est très utile dans la vie quotidienne. J'espère que vous avez maîtrisé. Si ma vidéo vous est utile, n'hésitez pas à la partager et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les news. Je vous dis à la prochaine. 再见